random chick. De l'analyse des paramètres. Qui lâche l'affaire? Qui part? Qui reste? Certains ont plusieurs vestes. D'autres sont contagieux comme la peste. Et tous veulent du changement. Mais quel changement? Changer le gouvernement, changer de rapport avec les gens. Changer les enfants, changer en plus conscient. Changer le monde, changer le présent. Ça, c'est sûr, le futur en dépend. Mais quel? Quelle solution pour lutter contre la décomposition sociale? Qui s'installe et pénètre? Chacun d'entre nous qui ne connaît pas son intellect. Je parle clairement pour que tout le monde me comprenne. Autant mes ennemis que mes amis que j'aime. Sommes-nous nés sur cette planète pour reproduire inlassablement les rapports humains guidés par l'incrédulité des gouvernements? Des fois, que ta télé change ton quotidien. Entre dans un musée ou lis un bouquin. L'odyssée de la vie n'est pas un film au cinéma. Si tu t'éduques pas, tu resteras en bas. Je veux pas de leader, mais un monde qui m'inspire. Je veux pas de pays, mais un enfant qui sache sourire. Pour ça, assassin combat jour après jour. Oh! Et Odyssée suit son cours. Tout le monde debout. Levez-vous, tout le monde debout. Levez-vous, unissez-vous, combattez, organisez-vous pour. S'expose à des risques. Sans plus RSS ou pire le sud des Amériques. Plus de choix que choisir entre la peste et le choléra. Voilà quand on ne pèse pas son front devant les USA. Thèse révolutionnaire si on en t'est banni. C'est comme au poker, on t'arnaque puis te déshabille de haut. D'en bas en Occident ou bagarre. Les punks insoumis sont aujourd'hui ceux qui poussent du rap. S'installer en Afrique ou en Asie est non négligeable pour un occidental. Là-bas la vie est plus que rentable. On triche, on tue plus. Jamais corrompu, pas de risque pour un fondeur sous l'étiquette. Selon nous, l'Occident approuve la Somalie, le prouve aussi. Qui sème la merde, la récolte, puis la trouve. Mani, préservons ce qui reste de l'amour. Pour que l'Odyssée suive son cours. D'un pays. On shoot les chanteurs de rail en Algérie. On emprisonne les poètes en Colombie. On exécute les leaders noirs aux États-Unis. Et on me parle de respect des droits de l'homme dans mon pays. Non, 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 non. Le fleuve coule. Mais l'eau n'est plus potable. Tu peux t'abreuver à sa source, mais pas au péché sur ta table. À qui donner sa confiance? Dans l'œil réside la méfiance. L'alliance des poètes n'existe que dans les rêves de l'enfant. La réalité rappelle les réactions radicales. Notamment dans ses récifs, la rivalité résultant des relations auxquelles l'homme a recours. Pour que l'Odyssée suive son cours. Fred leur cerveau. Fred.